Team Pika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo life hack avec du feu les amis. J'ai réuni plusieurs trucs ici comme des stylos, de l'aluminium, des allumettes pour faire des expériences life hack avec du feu. Vous allez voir, il y a des trucs cool, il y a des trucs je sais pas si ça va marcher, mais j'ai enregistré plein de vidéos et on va voir si ces life hack marchent. N'hésitez pas à mettre un gros like si jamais vous aimez bien les vidéos life hack. Voilà, je compte sur vous. À commenter pour nous dire quelle expérience on pourrait tester et à vous abonner. C'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. En tout cas, on va commencer avec le premier life hack les amis. J'espère que vous êtes prêts. Vous allez voir, ça va être vraiment incroyable. Franchement, tu vois, il y a des trucs qui sont vraiment incroyables. Il y a des trucs que tu vas voir quand on va tester, tu vas faire oh. Premier life hack, c'est parti. Alors en fait, le premier life hack, il est vraiment incroyable parce qu'en fait, il sert à allumer genre tu sais une bougie comment te dire, tu sais quand il y a une bougie que tu n'arrives pas à allumer parce que c'est trop, elle est trop profonde, ça te permet de fabriquer un genre de tunnel, pas un tunnel, un genre de tube, une rallonge à briquer. Je sais pas comment expliquer. Bon, tu vas voir, on va tester ça, ça va être vraiment incroyable. Même toi tu vas faire oh, c'est trop bien. Pour ça du coup, on va dégager tout ça. Il va nous falloir un briquet et de l'aluminium. On va prendre un briquet. Tac tac tac. Voilà, comme ceci. C'est bon, il marche. Petit aluminium. Là, faut découper. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut à peu près. Voilà. Je crois qu'il nous faut un truc, mais j'ai oublié de le prendre. C'est des pics à brochettes. Genre pour. Comment je peux faire ça? Spaghetti, t'en as pas? Ah oui, spaghetti, spaghetti, c'est vrai. Bien ça, bien. Alors peut-être que je me suis un peu emballé sur la taille de l'aluminium. Je vais découper un petit peu. Là, faut prendre. On va prendre nos spaghettis comme ceci. On va mettre ça comme cela. Et là, on va plier pour faire un genre de tunnel. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, on fait un tunnel. Non, c'est une paille en gros. Oh la galère. C'est une galère à faire par contre. Voilà, si ça marche, ce serait un miracle. Hein, parce que là, c'est vraiment du grand n'importe quoi un petit peu. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Maintenant, les amis, qu'on a notre paille, on va enlever les spaghettis à l'intérieur. Y'a pas des ciseaux derrière toi là, quelque part par là? Ça comme ça, j'enlève les pattes qui sont maintenant bloquées à l'intérieur. Ok les amis, maintenant nous avons notre paille. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de mettre ça là-dedans. Alors je sais pas si je vais réussir. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Ah c'est très dangereux. Ok voilà les amis, là nous avons notre paille à briquet. Attention, est-ce que ça va marcher? Normalement je vais mettre le gaz. Le gaz va sortir par cette paille et je vais pouvoir allumer. Genre c'est une rallonge. Attention les amis, je vais sortir le gaz. Et là si j'allume... Ça a pas trop l'air de marcher. Oh, oh putain, t'as pas vu en tout. C'est briqué en bas qu'après qu'il faut. Ah oui. On va réessayer. Ça marche. Ok, non, bah ça veut pas. J'ai un problème. Ça prend feu en bas ici, mais ça veut pas prendre feu en haut. Bon, bah ça a pas l'air de trop marcher quand même. Ça marche pas, les amis. Ce premier life hack est déjà un fail. Tu peux juste prendre l'embout des pattes, tu l'allumes et tu allumes ta bougie. Voilà. On fait ça comme ça et maintenant je peux allumer ma bougie. Pourquoi se compliquer la vie? Voilà, c'était si simple. Bon les amis, ok, ce premier life hack était un fail. Vraiment un gros fail, j'ai failli prendre feu. Mais bon, ça c'est pas grave. Maintenant on va passer au deuxième. Est-ce que vous êtes prêts? Alors le deuxième life hack. Alors là les amis, je vous jure, c'est un truc, c'est un peu pareil que le premier, mais c'est pas du tout pareil. En fait, faut prendre un stylo. Ce stylo là, faut le découper pour avoir l'encre du stylo. Une fois qu'on a l'encre, faut le poser sur le briquet là où en fait il y a le gaz qui sort. Et la flamme ne s'allume pas au briquet, mais s'allume genre 5 cm plus haut. T'as compris un truc toi? Non. Mais t'inquiète pas, tu vas vite comprendre. Du coup, pour ça, il nous faut un stylo et un briquet. Il ouvre le briquet que j'ai cassé tout à l'heure. Donc c'est parti, on va essayer ce life hack. Il nous faut un stylo. Une fois que t'as le stylo, tu dois prendre ça. Une fois que tu prends ça, faut pas en foutre partout. Parce qu'une fois que t'en fous partout, après c'est mort. Donc, la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le briquet et elle a mis l'encre là-dedans. Voilà. Comme ceci là. Exactement pareil. Mais en gros, faut mettre l'encre. Et maintenant, je vais allumer. Et la flamme est censée s'allumer ici. Vous êtes prêts? 3, 2, 1.
Ah. 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 Oui, non. Non, c'est plus haut. C'est nul, c'est nul. Mais c'était pas comme ça sur... Oh, ça l'a un peu fait. Ah oui. Attends, c'était pas ça qui a été vendu sur le truc. Mais là, je crois que c'est mon briquet qui est en train de prendre feu. Oh putain, le briquet est en train de prendre feu. Le briquet est en train de fondre. On aurait pu exploser à tout moment. Genre la vidéo, la flamme, elle reste comme ça. Et genre il allume quelque chose avec. Ah attends. Moi ça a pas fait ça. Là on est très loin du compte. Moi c'est le briquet qui prend feu, je vais exploser avec. Non, pour moi c'est un fail. Bah c'est pas validé, frère. Tu peux voir là, le briquet, il a vraiment fondu, genre sur le côté. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au prochain life hack. Bon, j'espère par contre que le prochain il va marcher. Parce que là mon gars, deux fails, ça fait mal. Alors les amis, ce troisième life hack, à quoi il consiste? Il consiste à faire des petits trous. Moi, si jamais tu vas faire souvent des petits trous, ben dans quelles circonstances on fait des petits trous? Non, je fais pas de petits trous. Qui c'est le con qui fait des trous? Bon, c'est pas grave. Si jamais vous voulez faire des trous, en fait, il faut prendre un trombone, le scotcher ou le coller avec du pistolet à colle sur le briquet. Vous faites chauffer la tige et vous pouvez faire plein de trous dans une bouteille. Il faut une bouteille, du coup, une bouteille que j'ai derrière. Voilà, une petite bouteille comme ceci. Il y a de l'eau dedans. Ouais, c'est pas grave, je vais vite tout boire. C'est bon. Donc, maintenant qu'on a notre bouteille, il nous faut un briquet, bam, et il nous faut des trombones. Voilà, il me fallait un trombone, hein. Ils en vendaient pas un, du coup j'ai dû en prendre 80. On ouvre ceci comme ceci là. Bon, dans la vidéo c'était comme ça qu'ils ont fait. Maintenant il me faut du scotch. J'ai du scotch. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait dans la vidéo. C'est qu'ils ont pris le trombone. Donc du scotch ici. Ensuite ils prennent le briquet. Ils le mettent comme ceci. Donc là on se retrouve avec ça. Maintenant, comment ça se passe en fait? Faut allumer ça. Ça fait chauffer le morceau de fer, le fil de fer. Tu prends ta bouteille, donc là tu fais bien chauffer. Et une fois que c'est bien chaud, une fois que t'as ton pic qui est bien chaud, tu viens. Oh. Et tu fais des trous. Tu vois, tu fais des gros trous, plein de trous partout. Bah quand tu es au camping, tu veux te... Ouais, c'est... Tu mets de l'eau et... Pour faire un arrosoir. Ah ouais. C'est bien, c'est pas mal. Je sais pas si je réutiliserai cette technique une fois dans ma vie. En tout cas, elle marche. Voici la bouteille, elle a plein de petits trous grâce à la petite technique. Parfait pour faire genre un arrosoir, une douche ou quoi, franchement. On valide ou pas? Moi, c'est validé. Faut valider, s'il te plaît. Parce que là, c'est le seul qui marche pour l'instant, donc on va le valider. Ouais, c'est validé. Donc là, il faut le valider. Alors ça mon poulet, c'est vraiment un life hack de fou. En fait ça sert à ce que tes allumettes, au lieu, tu sais, quand tu les allumes elles durent genre, je sais pas, 10 secondes et après elles s'éteignent. Ben là en fait ça va durer 10 minutes. Genre l'allumette va durer 10 minutes, c'est vraiment incroyable. En fait ce qu'il faut faire, c'est prendre une allumette, la mettre dans de la cire à bougie. Et une fois qu'elle est recouverte de cire, tu l'allumes et en fait ça va se consommer comme une bougie. C'est incroyable. Pour ça il faut des bougies et il faut des allumettes. Alors je sais pas comment je vais faire pour recouvrir une allumette de cire à bougie sans me faire mal, sans me brûler. Alors là on a... Putain, c'est quoi ces allumettes qui font Oh Anto, l'allumette qui fait un kilomètre. Donc là les amis, maintenant qu'on a notre allumette, qu'on a notre cire, bon, sans se brûler, on va faire couler la cire. Ok, pour l'instant ça a l'air de pas trop mal s'en sortir. Là on récupère un maximum de cire sur l'allumette. Ok, donc là regardez, je sais pas si on voit bien, mais en gros j'ai une allumette pleine de cire. Que tu es prêt? Est-ce que à ton avis ça va marcher? Oui, même si t'as qu'une bougie. 3, 2, 1. Ah oui, par contre du coup ça coule. Donc du coup faut prévoir un truc pour pas que ça coule. C'est en train de fondre telle une bougie, mais avec une allumette. Du coup elle dure un peu plus longtemps. C'est validé par la street les amis. Voilà, encore un life hack qui marche. Ça fait plaisir. Là on va passer à un dernier life hack mon poulet. Mais c'est un truc j'ai pas de vidéo en fait. Je l'ai vu moi. Et du coup je vais essayer de te le reproduire. C'est pour écrire des messages secrets. Là ce qu'il nous faut c'est une feuille. Ça fait 10 minutes qu'il cherche une bougie blanche. Voilà. Bon, normalement, faut une bougie blanche, mais là, j'ai pas de blanche, j'ai que des rouges. Et imagine, genre, tu vois, tu fais un dessin comme ceci, hop. Là, tu vois quoi sur la feuille? C'est blanc. C'est blanc, tu vois rien. Ouais. Et ben, en fait, si jamais tu prends le briquet comme ceci et que tu commences à faire ça. Ouais, on voit. Ça arrive. Et là, ça brûle. En tout cas, il y a le feu. Ça arrive. Putain, c'était le bonhomme normalement, mon billard. Putain, il faut ouvrir ça avec tout. Bon, les amis, life hack avec du feu, très très mauvaise idée, franchement, à ne pas refaire parce que c'est du grand n'importe quoi. On a fait exploser, on a failli foutre le feu au local. En tout cas, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plu quand même de life hack ou pas? Le trou.
le trou, ce qui a le mieux marché mais qui était le plus inutile. Donc bon, en tout cas n'hésitez pas à mettre le gros like, je compte sur vous, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez voir ma dernière vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Pika, puce. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper, en description il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.